se na nyana langa tabalek fanga baga yeg jamba marawach jagala gine warul tit mom duraka jamba marawach wondi buru albe la fek dalaita lolo langa pa la faida mo ave la faida kala tole yeah. La faida, mo ame full la faida, kelo tula ye. Full la faida, mo ame full la faida. Remercier le ministre des Sports, Monsieur Matar Ba, représenté ici par le secrétaire général du ministère, pour tous les efforts qu'il a consentis pour permettre au Sénégal de bien représenter l'Afrique. Ce que nous avons réalisé est historique. Tout le monde le reconnaît, c'est pour la première fois dans l'histoire du basket sénégalais, une équipe nationale se qualifie en quart de finale d'une Coupe du Monde. Félicitations à tous les joueurs, félicitations à l'encadrement technique, à l'encadrement administratif. Je voudrais aujourd'hui réitérer aux joueurs le bonheur que vous avez procuré au peuple sénégalais. L'objectif qui vous a été fixé a été atteint. Encore une fois, félicitations, mais également félicitations pour votre comportement en dehors du terrain. Parce que nous n'avons pas été saisis d'un seul cas d'indiscipline, et c'est important. Donc il y avait une vie de groupe, et vous avez dignement représenté le Sénégal. L'objectif qui est visé par la fédération en vous faisant participer aux compétitions de petite catégorie, ce n'est pas uniquement la gagne, mais c'est la formation des joueurs. Aujourd'hui, nous allons décider de travail dès à présent pour la relève du basket sénégalais. On va continuer à vous suivre, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez intégrer l'équipe A. C'est ça l'objectif. Et ce n'est pas de 20 mots, comme vous le savez, même je vous l'ai dit tout à l'heure, Jean-Jacques était là-bas en Allemagne, Ibou Nyankou Badji était au Cameroun, et Omar Sylla a fait Kigali. Donc on va continuer vraiment à vous suivre, pour vous permettre demain, vraiment d'assurer la relève. Merci et félicitations à tout le monde. Coupe du monde, j'ai gagné sur du bruit parce que dans la compétition déjà Coupe du monde, il faut être lourd quoi, être lourd. Parce que Coupe du monde, nous n'avons pas une chance pour jouer. Donc nous avons une chance pour jouer. Donc nous avons une pour juste pour comme nous considérons avec, nous avons pour juste présent. Mais nous avons pour défendre. Et j'espère que l'objectif est de nous atteindre. Mais nous avons une lourd à l'autre côté. Mais puisque y a le monde là dehors, l'anti santé y a là quoi, puisque y a le 7e en plus, santé y a là bas. Nous n'y n'est qu'une ordre parce que Sénégal, mais on a tant à y gagner, gagner avec Sénégal. T'as guise n'a ni que à condition de jouer, ni faut guise. Tu n'as pas les jeunes y n'est que Sénégal. D'un an de résultat y aura ou n'y n'est donc nous n'y remercier tant ici de nous appeler. C'est vrai que maintenant, les gagnants sont moins, ils ont l'Espagne, ils ont Lettonie en plus. Il faut mettre quoi parce que les gagnants sont moins et tout. Mais nous allons remercier le bas sur l'autre. Au nom de M. le ministre des Sports empêché, je voudrais transmettre les félicitations du chef de l'État et de l'ensemble du peuple sénégalais, au président de la Fédération sénégalaise de basket et à la délégation de l'équipe de U19 dirigée par le sélectionneur Parfait Adjouvant. Ce tournoi nous a fait notre fierté parce que nous avons obtenu un résultat qui aujourd'hui est une première pour notre basketball. Atteindre un quart de finale de tournoi de Coupe du Monde, c'est une première. Réaliser aussi une 7e place après avoir été 15e il y a 3 années, c'est aussi un bon qualitatif extraordinaire. Pour toutes ces raisons, Monsieur le ministre tient à transmettre ses félicitations au président de la Fédération de basket, mais aussi au U19. Ce travail quand même montre l'abnégation, le courage, la détermination, l'engagement dont ces jeunes ont fait montre durant tout le tournoi. Mais aussi ce travail est le fruit d'un travail collectif impliquant le président de la fédération en amont et son équipe qui depuis des années se sont impliqués dans la préparation de ces jeunes. En réalité, c'est cette préparation qui a permis aujourd'hui à notre pays d'obtenir ces résultats. C'est pourquoi je voudrais réitérer l'engagement du ministre des Sports à ne ménager aucun effort pour toujours accompagner le président de la fédération de basket dans cette dynamique pour permettre à ces jeunes d'assurer la relève. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous sommes confiants parce que nous avons une relève qui pourra nous valoir des satisfactions. Nous avons aujourd'hui un très bon groupe au niveau des seniors. Notre préoccupation aujourd'hui par rapport à la relève est réglée parce que ces jeunes ont beaucoup de talent. Cependant, nous invitons ces jeunes
à continuer à persévérer dans l'effort et le travail. Aujourd'hui, ils ont fait un excellent travail, mais qu'ils comprennent que pour progresser davantage, il faudra qu'ils persistent dans cette dynamique de détermination, de travail tous les jours pour pouvoir demain nous vouloir d'autres satisfactions. C'était vraiment le mot que je voulais délivrer au nom de M. le ministre des Sports à l'endroit du président de la Fédération de basket et à l'endroit de ces U19 que nous félicitons encore. Merci. Yeah, yeah, yeah.